Locale. Il est sur ma... Si tu donnes des nids, non. Mais scendo, non. Clique, يا حياتي Oh, what is? Bitch! Je vais devoir être prudent. Quoi? Thank you.
Par Sarapis, tu as réussi! Je n'en crois pas mes yeux. J'étais persuadé de ne jamais revoir Saganaki, ni même mon fils. Je me suis occupé de ces bandits. Je les soupçonne d'avoir volé Saganaki pour le compte de tes rivaux, les Bleus. Par tous les dieux! Il va falloir les battre aux courses pour leur infliger une belle humiliation. J'espère que tu courras pour les Verts, Barrett. Je ferai de mon mieux. Oi,
His maison nous approche. Prends à toi. Anne. Partez, allez! Hé! Hey, t'as perdu la tête? Hey, on ne bouge plus. Apollodorus. Toi, là! Es-tu venu me tuer ou m'offrir ton amitié? Je suis un ami. Bayek de Siwa. Ah! Alors aide-moi, veux-tu? Tu es le Medjay Daya, hein? Il y a d'autres survivants. Seulement Damastès. Ils l'ont fait prisonnier. Et le rouleau, qu'est-il devenu? C'est Damastès qui l'avait. Cet idiot aurait dû le détruire! Cléopâtre, te dois beaucoup. Es-tu en état d'aller voir un guérisseur? J'ai tué Eudoros. Je t'en félicite. C'était lui, le serpent, hein? Entre nous, Bayek, tu es encore loin de tout savoir. Entre nous, je veux une réponse. Je veux d'abord voir de quoi tu es fait. Libère Damastès et récupère le rouleau. Je saurai alors si tu es l'homme dont Aya dit tant de bien. Où est-ce Damastès? Il devrait être sur les quais du port de Canop. Je ne peux pas courir le risque qu'on lise le rouleau.
Viens à toi. Aïe. Hé, tu ne peux pas t'enfuir. Tu te vois là. J'en suis réduit à dormir dans ma propre souillure.
avoir une drôle de chance. Mais que... Te voilà! T'aurais pas dû venir ici! Te voilà! Amon, sauve-moi! Fais-moi sortir d'ici! Merci. J'ai connu des endroits plus agréables. Tu les as tous tués! Ces chiens méritaient la mort! Emmène-moi en lieu sûr. Ensuite, on discutera. Je vais t'étriper. Tu ne peux pas t'enfuir. Oui, mais ils ont nos armes fossiles. J'allais les tuer jusqu'au dernier. Si j'avais réussi à sortir de cette cage... Apollodorus m'a envoyé te sauver. Donne-moi le rouleau. Le rouleau? Je n'ai aucun rouleau. Tu étais chargé de le transporter. Ah oui, le rouleau. Je l'ai caché sur notre navire pour le protéger. Il est où, ce navire? Il est au fond du lac. Ils l'ont coulé. Ah, très bien. Je vais le récupérer. Rejoins Apollodorus. Il t'attend au phare. Je lui dirai de te retrouver près de l'épave. Morias palaskevas ma da tu da vesti. Pardonne-moi.
ton précieux papyrus. Bien joué, Bayek. Tu es un homme plein de ressources. Quelqu'un à qui je pourrais me fier. Ce rouleau était adressé au général Pompée afin de tenter de gagner Rome à la cause de Cléopâtre. Elle te sera reconnaissante d'avoir veillé au secret de ces échanges. Elle est dans ma propriété, et c'est là que nous allons. Quel rôle joue Aya dans tout ça? Son cousin Phanos m'a dit qu'elle était une femme implacable, traquant une proie dangereuse. Il se trouve que moi aussi j'avais des raisons d'éliminer cette proie. Alors quand Aya l'a tuée, je suis intervenu pour la protéger. Je te remercie. Et moi je te remercie d'avoir éliminé Eudoros. C'était un homme méprisable. Je dois t'avouer que je n'ai pas tué qu'Eudoros. J'ai aussi éliminé le Philakitaï d'Alexandrie, Gennadios. Gennadios ? Sa mort me fait grand plaisir. Mais cela va te valoir de sérieux ennuis. Les Philakès sont un groupe très soudé. Et très dangereux. Ils vont certainement s'en prendre à toi. Je les attends. Dis-moi pourquoi tu voulais la mort de Doros. Comme tu sais, le frère de Cléopâtre, Ptolémée. Et... tu en apprendras plus à la villa. La reine vit au sein de la haute société. Je suis heureux qu'Aya apporte un peu de bon sens à cet entourage si futile. Ton épouse est une femme qui sort de l'ordinaire. Je sais. Bayek, avant que je puisse te dévoiler tous nos secrets, tu dois obtenir l'assentiment de Cléopâtre. La reine est parfois singulière. Permets-moi un conseil. Lorsque tu l'approcheras, agenouille-toi en signe de respect. Ne prends jamais la parole en premier. Ton rôle est de répondre, pas de questionner. Ne te laisse pas distraire par les festivités. Elle est entourée de beaucoup de gens qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser. Parfois même un peu trop. Parle clairement, sur un ton respectueux et surtout, ne croise jamais son regard. Je lui ai dit de faire vite. Tu es prêt ? Impatient même. Elle m'a surpris avec son mari. Tu verras, c'est une sensation exquise. Par ici. Ne t'en fais pas. Elle n'est pas rentrée. Avec des abeilles. Où est ma pipe d'opium? Je coucherai avec qui veut. Dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube. Comme Xantides. Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier? In me auto agnap shabbat. Ma reine, voici... Alors? C'est une offre généreuse. Mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis. J'avais dit à genoux. Ah, Bacherepta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous vous joignez à notre cause. Nous ne savons pas quelle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arraché à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ces têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Égypte. Ptolémée est sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'ordre. Dans toute l'Égypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers.
Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizeh? Un personnage surnommé la Hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizeh est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a Memphis. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de... pouvoir démoniaque. Alors le serpent est l'ordre des anciens. Oui. Eudoros était surnommé l'hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Ce sont eux. Quand l'ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord Siwa, maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Égypte. Où le crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute Égypte, si on ne parvient pas à arrêter l'ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Kemu. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi mon Medjay. Protecteur du seul et unique pharaon d'Égypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Thank you.
Où est passée cette fille ? Neb, tu es jeune et tu as de bonnes jambes. C'est ce que je cherchais. Un pigeon est arrivé il y a peu. J'ai envoyé Rouya le chercher, mais cette fille... elle doit battre des cils devant le maître d'armes. Si je la vois... Laisse-la où elle est. Il me faut le message. Cours le chercher au pigeonnier. Toutes les nouvelles sont importantes ces temps-ci. Entendu, régisseur. Je vais voir ce que je peux faire. Les pigeons sont très agités. Et pour quelle raison ? Mauvais présage. D'où peut venir ce charbon de bois ? Est brisé. Quelqu'un a dû tomber. Mais où est le corps ? Je ne peux pas te laisser ici. Je vais te ramener à Pélias pour qu'on accomplisse les rites. Pauvre Rouya. Si seulement tu avais su comment faire un tel saut. À quoi t'es-tu retrouvé mêlé ? Des bêtes au visage d'hommes s'en prennent aux faibles sans défense. Nous ne pouvons pas tendre le cou à ces bandes de chacals qui écument le pays. Non, mais ce n'est pas. Par les dieux. Rouya, qu'est-il arrivé ? On l'a tué en la jetant du haut du pigeonnier. Ta lettre. Pourquoi l'a-t-on tué ? C'est l'insigne que porte Dimnos, notre maître d'armes. Pourquoi l'avait-elle ? Je ne tarderai pas à le savoir. Oh, pauvre fille, puisses-tu arpenter les champs de roseaux. Dimnos, je cherche Rouya. Comment je saurais où se trouve cette paysanne ? Peut-être parce qu'elle a ton insigne. Hein ? Eh ben, en fait, ce n'était qu'une égyptienne sans importance. Pourquoi tu as fait ça ? Je ne voulais pas la tuer. Seulement la punir pour son insolence. Elle refusait de me donner une lettre. Va faire tes aveux à Pélias.
J'imagine que tu veux écoper du même sort que Rouya. Stupide Égyptien. Alors je vais te donner la même leçon. Cette villa est à moi. Sors d'ici. Allez, viens. La lettre dont il a parlé. C'était Dymnos. Oui. Il a tué Rouya par pure cruauté. Et il est mort parce qu'à ses yeux, moi aussi, je valais moins que rien. Quelle tragédie absurde. C'était une fille intelligente, si gentille. Thank you.